Alléluia. Oh,
J'aimerais que tu déclares la grandeur de Dieu dans ta vie, Seigneur. Tu es plus grand. Tu es au-dessus de toute chose, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tous nos problèmes, Seigneur Jésus. Ta grandeur, le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, toi, ta taille. Rosa, mon élève, Rosa. Sois vie, sois gloire, sois guérison. Que l'auditoire soit connecté au ciel. Et que le Saint-Esprit coordonne et dirige toutes choses pour ta gloire. Car rien ne peut arriver si toi tu n'as ordonné. Nous croyons, c'est toi Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et tu fais quand tu veux et quand tu veux. Et tu choisis qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux. Parce que tu es Dieu et tu n'as pas de conseiller.
Que la gloire, l'honneur te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Bien-aimés, bonjour. Wapendwa amjambo. Nous demandons dans la salle s'il y a un pasteur consacré. Donc, Bacha Kukombeaka. Si naomba ndani ya salle, kama mko pasteur moya ule eko pasteur Bacha Kukombeaka. Il peut se manifester. Anaweza kuweka mkono yake yulu. Merci. Attente. Nous sommes là pour consacrer les bien-aimés du Seigneur. Et le thème de ce matin, na kishina ya asubuhi ya leo, l'onction de Dieu. Upako wa Mungu. Est-ce que l'église peut répéter à haute voix l'onction de Dieu? C'est quoi l'onction? Ni nini basi upako? C'est l'application de l'huile. Ikuweka katika tendo ya mafuta. Pratiquer l'huile, prendre l'huile sainte, kubeba mafuta takatifu, l'appliquer sur quelqu'un, na kumupakala mutu, pour consacrer la personne, juu ya kuweka ule mutu, consacrer à Dieu, kumuweka kwe wa Mungu, donc il est mis à part, anawekwa pembeni. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous prenons notre texte. Abeba kitabu yetu 1 Samuel chapitre 16. Samueli wa kwanza shairi yake ya 16. Du premier au 13e verset. Kwanza kumustari ya kwanza mpaka mustari ya 13. Mais nous allons sauter. Na tutarukaruka. 1 Samuel 16. Samueli wa kwanza shairi yake ya 16. Nous lirons 1. Tutasoma mustari wa kwanza. 3. Mstari wa tatu. 5. Mstari wa tano. 7. Mstari wa saba. 11 à 13. Na mstari wa 11 na 13. Si vous êtes prêts, kama mko tayari, nous allons faire la lecture. Tafanya usomi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jina ya uwezo ya Yesu Kristo. L'Éternel dit à Samuel. Wa milele akamwambia Samueli. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ni namna gani itavumuliwa kwenye Saulo? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ni wakati gani Saulo ataisha wala ataacha kulia? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Wakati gani utaacha kulia juu ya Saulo? Je l'ai rejeté. Nilimtupa. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Juu asitawale tena pa Israeli. Remplis ta corne d'huile. Yasha sengo yako ya mafuta. Eva. Na uende. Je t'enverrai chez Isaï. Takutuma kwa Isaya. Bethlehemite. Yule wa kubetelehemu. Car j'ai vu parmi ses fils. Sababu niliona katikati ya watoto yake. Celui que je désire pour roi. Ule mimi mwenyewe napenda awe mfalme. Roi. Ya tatu. Tu inviteras Isaï au sacrifice. Utaita Isaya kwenye kazi ya mimbari. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Na nitakwambia ile unapaswa kufanya. Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Na utampakala juu yangu ule nitakwambia umpakale. 5. Na 5. Il répondit. Akajibu. Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Ndio nakuya njuu ya kutoa kwa wa milele. Sanctifiez-vous. Mujitakase. Et venez avec moi au sacrifice. Na mukuye pamoya na miye twende tukatowe. Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils. Naye pia akamtakasa Isaya na watoto wake. Et il les invita au sacrifice. Na akawaalika kwenye matoleo. 7. Saba. Et l'Éternel dit à Samuel. Na wa milele akamwambia Samueli. Ne prends point garde à son apparence. Abana kubakia kuangalia umuntu wake wa nje. Et à la hauteur de sa taille. Na kuangalia urefu wake. Car je l'ai rejeté. Sababu mimi shakumtupa.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Wamilele ashiangalie wala situmainie kile mtu eko naangalia wala kutumainia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Lakini mtu eko naangalia ni kile kikunapiga kumacho yake. Mais l'Éternel regarde au cœur. Lakini wamilele eko naangalia ni roho. 11 à 13. 11 mpaka 13. Oui, Samuel dit à Isaïe. Isha Samuel akamwambia Isaya. Sont cela tous tes fils? Basi awa ndio watoto wako wote. Et il répondit. Na akamjibu. Il reste encore le plus jeune. Unabakia ule eko mtoto kuliko wote. Mais il fait paître les brebis. Lakini yeye eko nalisha kondoo. Alors Samuel dit à Isaïe. Basi Samuel akamwambia Isaya. Envoie le chercher. Watume wakamtafute. Car nous ne placerons pas avant qu'il se soit venu ici. Sababu atutaweka bado ule afike hapa. Isaïe l'envoya chercher. Isaya akawatuma wakamtafute. Or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. Basi yeye alikuwa mzuri na macho mweupe na uso yenye kwa urembo. L'Éternel dit à Samuel. Wamilele akamwambia Samueli. Lève-toi. Inuka. Wende. Umpakae. Car c'est lui. Sababu ni yeye. Samuel prit la corne d'huile. Samuel akabeba milieu de ses frères. Na akaiweka katikati ya wandugu yake. L'esprit de l'Éternel saisit David. Wa milele roho yake ikamshika Daudi. Répétez après moi. L'esprit de l'Éternel saisit David. Roya wa milele ikamshika Daudi. À partir de ce jour. Na kwanza ile siku. Et dans la suite. Na kufuatana masiku ya kumbele. Samuel s'éleva. Samueli akalamka. Et s'en alla à Rama. Na akajendeza kwenye Rama. Amen. 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 Mambo ya mafuta. Le problème d'huile. Ça ne dépend pas du pasteur. Il a ifatane na pastori. Le pasteur peut t'aimer. Pastor anaweza kukupenda. Mais Dieu peut te disqualifier. Lakini Mungu anaweza kukuweka pembeni. Le pasteur peut ne pas t'aimer. Pastor anaweza kukupenda au kukuchukia. Le pasteur peut ne pas t'aimer. Pastor anaweza hata kutokukupenda. Mais Dieu te choisit. Lakini Mungu yeye anakuchakula. C'est le choix de Dieu. Ile ni uchakuzi wa Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Wapendwa. Si ce n'était pas le choix de Dieu. Kama ikukuye uchakuzi wa Mungu. Moi je pouvais pas être pasteur. Mimi sikuweza kuwa pastori. Moi j'étais dans la boue. Nilikuwa ndani ya matope. Nous étions en Égypte. Tulikuwa kule ku Misri. Mais il a plu à Dieu. Lakini atumpendeze Mungu. Il a plu à Dieu. Ili mupendeza Mungu. De me choisir à son temps. Ani chakule muwakati yake. Dieu est le maître des temps. Et les circonstances. Mungu ni mwalimu wa wakati na wakati. Mon frère, l'œuvre de Dieu ce n'est pas fil indienne. Nduku kazi ya Mungu haina kufuatana kumustari. Après le papa c'est moi. Kisha baba ni pia bikalake. Si tu n'as pas l'appel après ton papa ça peut être ton cousin. Kama una na mwito kisha baba yako inaweza kuwa ndugu yako fulani. Donc il faut pas se réclamer moi je mérite tu ne mérites pas. Mimi nastahili mimi nastahili au stahili. Et d'ailleurs, personne ne mérite. Basi hakuna hata mtu mwanastahili. Celui qui mérite, c'est Jésus-Christ saint. Una nastahili ni Yesu yeye mwenyewe. Je dis, yake Jésus qui mérite. Na ipaka Yesu Kristo ndio anastahili. Nous, c'est la grâce de Dieu. Sisi ni neema ya Mungu. Vous voulez entendre la main de celui qui est déjà pris. S'il fallait faire comme un homme. Kama ilipasha ufanya kama mtu. Si fallait faire comme un homme. Kama ilipasha nifanye kama mtu. Lui devait être ouais. C'est toi de vous José. Lui alipasha kupangaliwa mafuta tuku José. Joël. Yoeli. Joël. Yoeli. Ce sont les premiers dans cette église. Aba ni bazamani hapa. Kwanza. Ils sont pas ouais. Aba pakaliwe. Donc personne ne peut réclamer ce que moi je mérite. Basi hakuna mtu wa kusema mimi nastahili. Sifa kwa Bwana. Allez, te paye mafuta. Tikiza mkono yako. Écoutez l'histoire. Sikieni hiyo historia. Il y avait un roi Saül.
Le premier roi d'Israël. Dieu l'a ouvert. Par le même prophète Samuel ici. Mais ce papa-là, il n'était pas impudique. Il n'était pas ivrogne. Le mal de ce papa, il aimait aller chez les devins. C'est à cause de cela que Dieu l'a rejeté. Parce qu'il était désobéissant. Suivez l'église. Dieu fait chaque chose bon. Et bon à son temps. Dieu voyant que le roi s'est compromis. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit au prophète Samuel. Anamwambia Nabi Samueli. Ne pleure plus sur Saül. Apana tena kwanza kulia juu ya Sayulo. Je l'ai rejeté. Nisha kumtupa. Mais j'ai déjà choisi. Lakini misha kuchakua. J'ai déjà préparé. Misha kutayarisha. Quelqu'un. Mutu moya. À Bethléem, Juda. Ku Bethléem ku Yuda. Dans la maison d'Isaï. Mu nyumba ya Isau. Il y a un jeune homme que j'ai déjà choisi, que j'ai déjà préparé. Tu vas aller le oindre, celui qui sera roi. Vous savez, Dieu n'est pas mathématicien. Dieu, il est au-dessus des mathématiques. David ne pouvait pas être roi. Le critérium pour être roi, il fallait être le plus élancé, le plus grande taille. David n'avait pas une grande taille. Et puis il était petit en âge. Mais Dieu l'a choisi. Lakini Mungu alimchakula. Ngolu. Neema. Neema tu. Neema. Je vous dis, chers parents, si dans votre maison, kama munyumba yenu, il y a un fils, une fille, muko mutoto wala kijakazi, mwanaume, consacré à Dieu, ule mwenye kujitoa kwa Mungu, respecte-le. Umuheshimie. Je répète, respecte-le. Na kudiria nasema umuheshimie. Dieu peut te frapper. Mungu anaweza kukupika. À cause de ton propre enfant. Sababu ya mtoto yako we moya. Mais qui est one. Eko mwenye kupakaliwa. J'ai dit, Dieu peut te frapper. Nasema Mungu anaweza kukupika. Parce que un de tes enfants ou de sababu tes filles. Mmoja wa mtoto yako mwanaume au mwanamke. Consacré à Dieu. Eko na agano na Mungu. Et toi tu ne le respectes pas. Lakini wewe umheshimie. La Bible déclare. Biblia inasema. Ne touchez pas à mes oints. Usiguse wapakaliwa mafuta wangu. Parce qu'ils sont comme la prunelle de mon œil. Sababu ubeko kama taa ya lito ya limu ya Mungu. Si tu touches un oint de Dieu, kama unagusa mpakaliwa wa Mungu, tu as touché le ciel. Unagusa mbingu. C'est pourquoi église ayez du respect. Église ayez du respect. Kanisa mkuwe na heshima. Aux gens qui sont oints. Kwa wale wenye kuwa wapakaliwa. Même s'il est plus petit que toi, respecte-le. Kwako umheshimie. Jésus avait quel âge? Yes, toi, quand il a commencé le ministère public, il avait quel âge? Narianza utuma na kipimo kani? Quel âge? Mwaka 12. Et quand il a commencé le ministère public, il avait quel âge? Wale alianza utuma ya mkikunja kwa na miaka kani? 30 ans. Miaka 13. Mais les pierres là-bas, c'était des babayabo avec des femmes. À cause de l'onction. Sababu ya upako. On le suivait. Deko na mufuata. Bien-aimé, vous qui serez consacrés. Mupendwa nini mtapakaliwa leo. Respectez l'onction que vous allez recevoir. Heshimieni upako ile mtapata. Cette onction. Hiyo upako. Vous fera de vous une itemipa kweli kwa na chanisho. Ça va vous faire monter.
Ça va vous faire prospérer. On va commencer à vous respecter. Parce que le diable lui-même va te respecter. À partir de ce jour, le diable est soumis. Les démons sont soumis. Les sorciers sont soumis. Les ennemis sont soumis. Quand tu recevras l'onction, sache que le ciel va rester constamment ouvert. Et les anges monteront, les anges descendront pour t'assister, pour te secourir, pour te soutenir, pour te guider, pour te garder, pour te protéger, pour te bénir et t'amener au lieu que l'Éternel a préparé. Dieu dit à Moïse, si vous écoutez mon ange que je mets devant vous aujourd'hui, aucune nation ne peut vous vaincre, parce que mon nom est dans cet ange-là. C'est l'image du Saint-Esprit. Et l'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit. Toi qu'on va consacrer, regarde ta vie. Il y a toujours quelque chose qu'un homme ne parvient pas à faire. Mais avec l'onction, avec ta foi et ta volonté, tu vas devenir une nouvelle créature. C'est à toi de prouver. Prouver au monde que Dieu ne s'est pas trompé. Kusema Mungu asikudanganyikiwa hapana. Change ta vie. Badilisha mwenendo yako. Si tu étais dans les péchés, cesse. Kama ulikuwa mu madhambi, acha. Acha. Même si c'est caché, laisse. Hata kama iko ya mfutama, acha. Unanishika mzuri. Achana naye. Dans la Bible, il n'y a pas de deuxième bureau. Il n'y a que dans le Congo. Marchez dans la sainteté. Dans la crainte de Dieu. Dans la prière. En lisant beaucoup la parole de Dieu. Tu feras la différence. Josué chapitre 1. Yoshua shairi yake ya kwanza. À partir du verset 5 à 8. Kwanza pa mstari ya 5 mpaka mstari ya 8. Mungu anamwambia Yoshua. Mon serviteur Moïse est mort. Mtumishi wangu Musa anakufa. Je t'ai choisi toi maintenant. Sasa mimi nitakuchakula wewe. C'est toi qui amèneras le peuple dans la terre promise. Wewe utapeleka taifa mwa mwiti ya Malaki. Comme j'étais avec Moïse. Wakati nilikuwa na Musa. De même je serai avec toi. Nitakuwa pamoja na wewe. Mais lakini, que le livre de la loi sema kitabu ya kano, ne s'éloigne point de ta bouche. Isiende mbali na kinywa chako. Médite-le uichunguze jour et nuit, usiku na mchana, afin de connaître ujue tout ce qui est dedans. Bile biote biko ndani. C'est alors que tu réussiras. Na utaweza. C'est alors pale sasa que tu auras du succès. Na utapata kavumu. Alléluia. Le problème d'huile que mafuta. L'huile. Nina kwambia enemy atafunga kinywa. Dit que l'ennemi va fermer sa bouche. L'onction. Mafuta. L'onction fait la différence. Mafuta inafanya achanisho. Alléluia. Alléluia. Mon frère, l'onction dépasse les instituts supérieurs. Ndugu yangu, mafuta inapita hata masomo ya juu. L'onction dépasse l'université. Masomo inapita university. Parce que ce qui compte à l'université là, ça sont des hommes. Est comme l'université, il est qui monte. Si tu lui donnes l'argent, n'a pas point à mingi. On a distingué. Mais chez Dieu, qui n'a jamais été corrompu. Gloire au Seigneur. Si fa kwa Bwana. Donc Dieu envoie le prophète Samuel Wende. Quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Wende mu nyumba ya Saulo. À Bethléem, à Juda. Bethléem, Juda. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1.
Je lis le verset 5. Nasoma mustari wa tano. Je commence à 4. Nanzia pa mustari wa ine. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Sauti ya wamilele ikanyambia kuhi matamko. Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère. Bado ukuye mwenye kutungwa ndani ya tumbo ya mama yako. Je te connaissais. Nilikujua. Je te connaissais. Nilikujuaka. Et avant que tu fusses sorti de son sein, na bado yawe kutoka mutumbo yake, je t'avais consacré. Nilikuweka pembeni. Je t'avais voué. Nilikupaka mafuta. Je t'avais établi. Na nilikuweka prophète des nations. Nabi wa mataifa. Mon frère, si Dieu t'établit, kama Mungu anakuweka ndugu yangu, peu importe ce que tes ennemis seront. Ata kama maadi yako itakuya che. Ce que le diable désirera. Ata kama bile chetana atapanga. Dieu t'établit. Kama Mungu acha kukuweka. Il t'a établi. Acha kukuweka. Mille tombera à gauche. Mille itanguka kushoto. 10,000 à droite. Na mille komi tapa kukuweka. Tu ne seras pas atteint. Lakini hautaguswa. Jo ile natupa nguvu mwa Yesu. Ile jo uwezo yetu tunapata mwa Yesu. Du moment que je suis avec Jésus. Mu wakati ile niko na Yesu. Que les ennemis, tous les ennemis d'écologie se livrent, ils passent à ils te verront monter. Tu es en train de monter. Ukuna panda. Et puis tu commences à t'élever. Na kuinuka. Parce que Dieu dit, sababu Mungu mon serviteur mutumishi wangu prospérera. Ataendelea. L'onction te fait payer les maisons sables. Tu n'as pas bien entendu. L'onction. Il t'a coupé nyumba ya shiko wewe. Tu donnes la maison tant que tu n'as pas encore construit. L'onction il t'a coupé motoka. L'onction il donne le véhicule tant que tu n'as pas encore payé le véhicule. Apana motoka ya kufanana na kinga. On parle de véhicule là fabriqué. Mungu analeta kitu kya kunyoloka. Tena Mungu kama anaanza kukupa watoto mokisho. Watoto intelligent. La Bible déclare. Moi et les enfants. Que Dieu m'a donné. Nous sommes des signes. Et nous sommes des prodiges. Reçois la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Le problème c'est servir Dieu fidèlement. Mambo ni kumtumikia Mungu vile na pasho. Dans la crainte, dans la boca, dans la tête, faut pas s'habituer à Dieu. J'ai dit, faut pas s'habituer à Dieu. Dis à ton voisin, faut pas s'habituer à Dieu. Amen. 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 Je trouve la race de l'onction. Si on y va, il est marrant. Il y a ma poutre. Joshéaba. Joshéaba. David dit. Daoud y a la sème. J'ai été jeune. N'est-ce qu'on qui tient? Maintenant j'ai vieilli. Ça, ça a pas mis la sèche. Je n'ai pas vu. Si y a un camoué. Injuste. Être abandonné par Dieu. Ni ses enfants. Ou ma toto yake. Mandia le pain. Ou l'homme tchakou. Dieu lui donne toujours. Ou ma bati yaka. Laisse-moi te dire. Ata ni kwambi. L'onction. Pako, attire la provision. Quand l'huile vient, wakati mafuta nakuya, la provision vient. Chakula iko nakuya. L'onction va t'amener là où une personne de ta famille a déjà été. Mafuta itakupeleka kule hata mtu mwa mjama yako ashaendaka. Amen. Amen. Jimmy, onction. Pako. Unangala kuna. Onde ndakaka. Je vous dis à votre maman ici. Nous maquillons. Grande maison là. Oui. Ça, 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 ça,
cause de Jésus. Je n'ai jamais été au prison. J'ai commencé à être condamné par le peuple de Jésus. Mais toi, chaque samba, à cause de vous. Ville. Abandonne ces histoires. Nous sommes un peuple élu. Sacerdoce royal. Commence à te comporter comme un roi. Comporte-toi comme une reine. Même ta façon de t'habiller. Habille-toi comme une princesse. Habille-toi comme un prince. Même ta démarche. Marche comme une princesse. Comme une reine. Parce que tu as l'onction de Dieu. Tu manges partout, les haricots. Travaille là-bas dans des restaurants, tu manges comme tu veux. Tu es quelle race de sacerdoce? Tu es roi. Que les démons te respectent. Adam a démon avec la question. Satan te respecte. Satan avec la question. Le monde doit te respecter. Tout le monde n'a pas. Viens avec ton bishop ici. Amen. Tu as sauvé combien de gens? Bien-aimé, c'est le choix de Dieu. Il dit, papa. Anasema baba. C'est tout ce que tu as comme garçon. Le papa dit, oh. Baba anasema, il y a un petit. Même son propre père. Ata baba yake mnyoa kumzala. Ne croyez pas que huyu njo mwenyewe atabariki. Ne croyez pas que celui-ci c'est maman, papa. Baba na mama. Attention. Mukebe ange. Na ule wa kichwa munene unachambulaga mtoto. Ni grosse tête. Lile kichwa munene. Sa grosse tête là. Iko prophétie. Iko yenye kujana unabii. Kusema atanenene paka sana. Juu kichwa vipatane na mwili. Juu atakuwa na mari, juu ataanza kuimirisha. Amen. Hapana kuchukia mtoto. Hapana kumchukia. Ndio kuna ule jina ya mama. Jina ya mama. De mama. Mama. Ok. Kumbi akale kengine gani. Joka takuwa kakereke. Terrible. Lakini Mungu ni mwanama, Mungu ni chef. Tu sais, Marie mine kala tu, mine nje kuwaza. Waza tu kuna kupelea. President de la République. Tu nesu vana ta juma moya ulani. Joka mwema kwa kweli. Macheo ingine, unafurahi, kisha furahi na kimbia. Unaanza kutetemeka wewe mwenyewe. Itaboka. Sikiliza kwani. Mungu akupata makuta ya mingi, vile mimi niko na hata tu. Amen. Makuta pia mingi. Utafanya des semaines insomnie. Tu vas faire des semaines tu ne dors pas. Kama unashika ta garderobe. Si ya mshumaa au garderobe laba. Yes. Bana kuya. Sont venus. Banani. Qui sont ceux-là? Bangishi. Le voleur. Tu as comme un putain. Parce que tu as de l'argent là-bas. Je comprends. Ah, tu as dit Mungu ashilalaki. Pourquoi Dieu ne dort pas? Una mashikini analalaka sana. Le pauvre ne dort pas. Analalaka sana. Il dort profondément.
Et puis il rêve beaucoup en train de manger. Mais lui, il était dormi enfamé. Mais le roi, lui, il est là. Le riche. Le Kampuni a coulé. L'entreprise de l'autre côté. Il se réveille comme ça à 4 heures. Alors je comprends pourquoi Dieu ne dort pas. Amen. Il est tellement riche. Il a beaucoup de choses. Il n'a pas le temps de dormir. Parce qu'il doit voir ma vie, voir ta vie, voir sa vie, contrôler ta vie, il ne peut pas dormir. Notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille pour toi. Exode 33. Le problème de l'huile. Alors toi, on t'a pas, ouais, pourquoi? Exode 33, le verset 19. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce. À qui je fais grâce? Et miséricorde. À qui je fais miséricorde? Alléluia. Kama rafiki anapata furahi. Dieu connaît. Tu peux te précipiter pour que tu sois aussi well. Parce que l'onction n'attire pas que les bonnes choses. L'onction, c'est comme la lampe. Je veux que ma Dieu vous bénisse. Alors, le prophète Samuel le ouin. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel le saisit au moment de l'onction et dans la suite. Bien-aimé, ne fais pas sécher l'onction que tu vas recevoir. Que l'onction reste toujours fraîche sur ta tête. Et que tes vêtements soient blancs. Je donne quelques avantages et je termine. Les avantages de l'onction. Écrivez 1 Samuel chapitre 10. Le verset 6. L'onction change le cœur de l'homme. Je répète, l'onction change le cœur de l'homme. C'est la première chose que Dieu vise dans l'homme, c'est le cœur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Deuxième avantage. Psaume 89. Zaburi 89. 19 à 21. L'onction de Dieu te conduira
itakuongoza. Bon amen. L'onction de Dieu te conduira. Upako ya Mungu itakuongoza. Et l'onction de Dieu te soutiendra. Na upako ya Mungu itakushika. Lorsque tu auras un problème, wakati utakuwa na mambo, ne cours pas vers les hommes d'abord. Hapana kwenda kwa bantu mbele. Cours vers Dieu. Kimbilia kwa Mungu. Il te soutiendra. Naye atakushikamisha. Trois. Ya tatu. Psaume 89. Zaburi makumi mnane na kenda. Verset 22. Na mustari ya makumi mbili na mbili. L'onction te délivrera. Upako itakuokoa. Des afflictions du diable. Mumambo yote mbaya ya shetani. Mais le diable te tentera toujours. Lakini shetani atakujaribu mpaka. Parce qu'il a tenté le fils de Dieu. Sababu alijaribu mwana wa Mungu. Il a tenté le prophète. Alijaribu manabii. Il a tenté les apôtres. Alijaribu makuani. Il te tentera aussi. Atakujaribu na wewe pia. Mais Dieu. Lakini Mungu. Te soutiendra. Atakushikamisha tu. Je donne un quatrième, j'arrête là-bas, la liste est longue. Aleta ya ine na simamia hapa sababu mstari kumwe. Toujours psaume 89. Mpaka mule msaburi. Makumi mnane na kenda. Le verset 23. Na mustari ya makumi mbili na tatu. L'onction de Dieu. Upako wa Mungu. Détruira tous tes ennemis. Itaharibu maadui yako wote. Et tous ceux qui te haïssent. Na bale bale kuchukiaka bote. Et ça, nous sommes dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. Na hii tuko mumalako ile Mungu alifanya na Ibrahimu. Genèse chapitre 12. Mwanzo makumi na mbili. Verset 1 à 4. Kwanza kumustari ya kwanza paka mustari ya ine. Mungu akamwambia Ibrahim, celui qui te bénira, ule atakubariki, je le bénirai aussi. Na mimi nitambariki pia. Celui qui te haïra, ule atakuchukia, je le haïrai. Na mimi Mungu nitamchukia. Celui qui te maudira, ule atakulaini, je le maudirai aussi. Na mimi pia nitamulaini. C'est la promesse de Dieu. Hiyo ni malako ya Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pandwa, Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo mwenyewe, avant de commencer le ministère biblique, bado ya yeye kwanza utuma ya katika kikundi ila atajilo mshu na yeye alichunga upako. Après le baptême au Jourdain, kisha ubatizo yake kwa Yordani, il reçut l'onction, akapata upako. Le Saint-Esprit descendit sur lui na comme une colombe, kashuka yake kama taa. Et à partir de ce moment là, na kwanza ile le shiku, Saint-Esprit le conduit en brousse au désert. Roho Mtakatifu ikamuongoza kwenda jangwani. Pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Kula alienda kufunga chakula masiku makumi ine na kama kushuma makumi ine. Tu ya kuomba. Après 40 jours de prière. Kisha masiku makumi ine ya maombi. La première personne que Jésus a rencontré. Mtu wa kwanza ule Yesu Kristo alikutana naye. C'est qui? Ilikuwa ni nani? Le diable. Donc vous avez recevoir l'onction, n'ayez pas peur. Utapata upako hapana kuwa na boka. Parce que le diable viendra. Sababu shetani atakuya. Mais prouve-le que tu as Dieu. Umwambie kusema na umwese kusema huku na Mungu. Et dis-lui qu'il n'a plus le pouvoir. Na umwambie kusema ana tena na uwezo. Parce que Jésus-Christ dit. Sababu Yesu Kristo anasema. Tout pouvoir. Uwezo yote. M'a été donné. Ilipewa. Au ciel. Kumbingu. Comme sur la terre. Na hapa pa dunia. C'est pourquoi je vous envoie. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et aucun pouvoir de l'ennemi ne peut vous faire. Crois à ça. Crois à cela. On te fera la guerre. Vita, on ne te vaincra lakini jamais. Dis amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit, Wamilele Mungu anasema, je veux partir. Je veux partir. Mitaenda. Il vous est avantageux. Alikuwa anakuwaonesha sasa iko ya lazima kwenu. Il vous est avantageux. Iko ya lazima kwenu. Que je m'en aille. Niende. Si je ne m'en vais pas. Kama mishiende. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ne viendra pas vers vous. Aistakuya kwenu. Si je m'en vais. Kama minaenda. Le Père. Baba. À mon nom. Kwa jina yangu. Enverra le Saint-Esprit. Atatuma roho ya Bwana. Il va me remplacer. Il atanikomboa. Il sera avec vous. Atakuya pamoja na nini? Jusqu'à la fin des temps. Mpaka siku ya mwisho ya wakati. Et quand le Saint-Esprit va venir. Wakati Roho Mtakatifu itakuya. Il vient d'abord pour trois choses. Eko la kuya juu ya bintu bitatu. La première chose. Kitu kia kwanza. C'est convaincre l'homme du péché. Ni kuhakikishia mtu kusema hiyo ni dhambi. Romains 3:23. Waromi 3 mstari ya 23. Romains 3:23.
Warumi tatu mustari ya makumi mbili na tatu. Quiconque a péché, yoyote alafanya zambi, est privé, anaimiwa, la gloire de Dieu, na utukufu ya Mungu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Banduku ni zambi ndio ikutanisha na Mungu. C'est le péché qui sépare les hommes. Ni zambi inatanisha watu. C'est le péché qui sépare mari et femme. Ni zambi inatanisha bibi na bwana. Deuxième chose. Kitu ya pili. Écrivez Jean 16 7 à 11. Yohana 16, 7 mpaka 11. Deuxième chose. Kitu ya pili. Quand le Saint-Esprit vient. Wakati Roho Mtakatifu itakuja. C'est pour nous apprendre la justice. Ni njia ya kutufundisha uhakika. Matthieu 7. Matayo 7. 12. 12. Jésus-Christ dit. Yesu Kristo anasema. Ce que tu voudrais que les gens fassent pour toi. Hile unapenda bantu bakufanizie wewe. Fais-le à autrui. Uifanye kwanza kwa wengine. C'est ça la justice. Ile njo uhakika. Et la dernière chose. Na kitu kya mwisho. C'est le jugement. Basi ni hukumu. Le Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu unakuja. Avec les dons, les talents. Na mazawadi na mabipaji. N'oubliez pas. Hapana kusahau. Tout ce que tu as reçu du Saint-Esprit. Ile yote ulipokea toka kwa Roho Mtakatifu. Tu rendras compte un jour à Dieu. Utapeleka ripoti siku moja kwa Mungu. Je lis le dernier verset. Nasoma usomi wa mwisho. 2 Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Chapitre 5. Shairi yake ya 5. Le verset 10. Na mstari ya 10. Car Sabah. Il faut in a pay, tous comparaître devant le tribunal de Christ. Sisi yote tukajikute mbele ya, ya kiti kya enzi. Devant le tribunal de Christ. Mbele ya fasi ya masambo kwa Mungu. Ya hukumu li, jugement, tribunal. Fasi ya hukumu ya Mungu. Afin que chacun basi ndio kila mmoja reçoive apokeye selon le bien kufatana na bizuri ou le mal au bibaya qu'il aura fait bila arifanya étant dans son corps wakati alikuwa ndani ya mwili yake. Tout ce que nous faisons ibi byote tunafanya est enregistré quelque part iko ene kuandika fazi fulani en bien ou en mal mubizuri na mubibaya. Un jour siku moja lorsque nous serons enlevés wakati tutanyanyuliwa nous passerons au tribunal tutapita kwenye fazi ya kusamba afin d'être couronné. Na jutu pate mataji. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Basi ni iyo Bwana aliweka kwa roho yetu. Pour toi et pour moi. Juu yako na juu yangu. Et pour les heureux. Na juu ya wenye heri. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Recueillons-nous un instant en prière. Que chacun, une fois de plus, s'abandonne au Seigneur. Je m'abandonne. Lève ta voix, parle à Dieu. Inua sauti yako na mwambie Mungu. Prions. Seigneur éternel. Voici encore un moment merveilleux, Seigneur notre Dieu. Je m'abandonne.
Nous acclamons pour le Seigneur. Voilà. Nous invitons Papa Joyce pour la présentation des candidats. Amen, Église. Shalom. Papa, merci beaucoup pour ce privilège. Merci pour la parole que vous m'accordez à cet instant. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église missionnaire Camp de Dieu est rassemblée en ce jour du 16 janvier 2022 pour célébrer l'ordination des anciens diacres et diaconesses. C'est à cet effet que nous allons procéder à la présentation des heureux élus de ce jour. Nous allons commencer par les anciens. Ils vont s'avancer avec leurs épouses. Commençons par Papa Jimmy Banza Kaloulwa. Il peut s'avancer. Papa Gérard Kasongo Mwisele. Nous appelons Papa Élisée Kalombo Ndala. Appelons Papa Claude Mouema. Papa Claude Mouema. Nous appelons Papa Bob Nawej Akapen. Constaterez que Papa Bob est seul et on signale que son épouse n'est pas au pays, elle est en déplacement. Nous appelons Papa Jean-Léon Kimemouseke. Nous appelons Papa Alex Mavungu Diosso. Nous appelons Papa Simplice Mwangalalo Mukila. Thank you.
rappelons enfin en ce qui concerne les anciens, Papa Petro Mwamba Mulowenu. Les personnes qui sont devant vous ici, je vais poser quelques questions devant Dieu et devant la Sainte Assemblée. Vous répondrez par oui ou par non. Si vous dites non, nous rentrons chaque. Si vous dites oui, nous avançons. Avez-vous la conviction profonde selon laquelle vous êtes appelé par l'Église et par conséquent par Dieu à exercer ce ministère? Ingénieur technique, vous cabinez, vous n'avez pas de l'Église. Avez-vous la conviction profonde selon laquelle vous êtes appelé par l'Église et par conséquent par Dieu à exercer ce ministère? Deux. Croyez-vous aux écrits de l'Ancien et Nouveau Testament comme parole inspirée de Dieu? Pouvez-vous compatir à la misère du peuple de Dieu? Pouvez-vous compatir à la misère du peuple de Dieu? Même en cas de persécution? Même en cas de misère dans votre foyer? J'ajoute, tu n'abandonneras pas ta femme. Bien. Tu n'abandonneras pas ta femme. Sindio Saint-Esprit, il n'a ni couille à pas grave. Si Mindio Miri Antica, en Anambia, on gaisa à poter. Manaka, qui est comme un courrier le carreau sans effet. Promettez-vous à défendre l'Église missionnaire camp de Dieu contre les ennemis et toute profanation? Promettez-vous d'obéir aux autorités de l'État et celles de l'Église? Promettez-vous de vous acquitter loyalement de cette tâche selon la saine doctrine biblique et de la piété? Promettez-vous de vous acquitter loyalement de cette tâche selon la sainte doctrine biblique et de la piété? Maintenant,
Que promettez-vous en définitive au Seigneur Dieu et à l'Église? Les micros. Aux anciens. Moi et moi. Mouchiké. Poésie. Je prends la décision personnelle de servir Dieu dans toutes circonstances. Amen. Je prends la décision individuelle de servir le Seigneur dans la fidélité. Amen. Je m'engage personnellement dans la fidélité au service de Jésus-Christ. Amen. Je m'engage personnellement au ministère de Jésus-Christ. Amen. Je m'engage dans le ministère de Dieu. Amen. Amen. Je m'engage personnellement à servir Christ pour toujours. Amen. Je m'engage personnellement à servir Jésus-Christ. Amen. Je m'engage personnellement à servir Christ dans toute ma vie. Amen. Je m'engage personnellement à œuvrer pour Dieu dans toutes circonstances. Amen. Maintenant le tour d'appeler par devant nous ceux-là qui ont été choisis pour être consacrés ce jour comme diacre et diaconesse. Commençons par Maman Nathalie Gaulois. Papa Ivan Goy Kasumka. Nous appelons Maman Joël Mangasa. Papa Jules Moukaya. Nous appelons Maman Maggie Mbayo Mbalo. Thank you.
Nous appelons Papa Raymond Sangwa Kanyonge. Nous appelons Papa Léon Mwamba. Nous appelons Papa Alex Mukadimbala. Nous appelons Mama Fallon Kamwanga Kamwanga. Enfin, nous appelons Papa Christian Kabanga Mbulu. Avez-vous la conviction selon laquelle vous êtes appelé par l'Église et par conséquent par Dieu à exercer ce ministère? Croyez-vous aux écrits de l'Ancien et Nouveau Testament comme parole inspirée de Dieu? Pouvez-vous compatir à la misère du peuple de Dieu? Pouvez-vous compatir à la misère du peuple de Dieu, même en cas de persécution, même en cas de misère dans votre foyer, de ne pas abandonner votre conjoint, conjointe? Promettez-vous à défendre l'Église missionnaire camp de Dieu contre les ennemis et toute profanation? Promettez-vous d'obéir aux autorités de l'État et celles de l'Église? Promettez-vous de vous acquitter loyalement de cette tâche selon la sainte doctrine biblique et de la piété? Que promettez-vous en définitive au Seigneur Dieu et à l'Église? Micro. Je m'engage personnellement à servir Dieu dans toute ma vie. Amen. Je m'engage personnellement à servir Jésus-Christ et à lui être fidèle. Amen. Amen. Je m'engage personnellement à servir Dieu et fidèlement. Amen. Je m'engage personnellement au ministère de Jésus-Christ et à être fidèle toute ma vie. Amen. Je m'engage personnellement au ministère de Dieu et être fidèle devant Dieu, devant son serviteur ainsi que toute l'Église. Amen.
m'engage personnellement à servir Dieu fidèlement, maintenant et pour toujours. Amen. Je m'engage à servir mon Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Je m'engage personnellement au ministère de Dieu. Amen. Voilà. Tournez vers l'Assemblée. J'appelle les anciens de passer devant eux. Donnez-nous un cantique. Donnez-nous un cantique. Nous allons chanter ensemble avec l'Assemblée. Le cantique des consacrés. Mumwange mafuta, mumwange mafuta, avant mafuta yanguki. Toshe migono mubilari, mshimame bien, saba koristi. Bakutuma, kutume mwimbo. Nous allons avec les mains. Moko si we tu ana tu pa fura uniani a tu bongo za kwa emana na tu shibi tazama yuko pamoja na sire mahaita Shakamwe, Alleluia, 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 Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Fura, fura, yetu ita, bakia iki, wabiyote vinge toweka. Alleluia, 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 alleluia. Na tu kijaribi wa uko kwa juwani kwa muda Mbinguni ya tutao na kamwe uzu ni wala machozi tena hale Alleluia, 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 Pata kwa neema yake Mungu njiani yote atuongoza alichukua mizigo
Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Kutegeme ya Yesu furaga ni uko juu kuona uso wake tutaiona furaha tele na utukufu wa utaisha. Haleluya. Alleluia, oh, oh, alleluia, 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 alleluia. Voilà, nous voulons maintenant passer à la consécration. Ici, nous avons lui. C'est fabriqué dans des usines par des hommes. Par la foi, cette huile est sainte parce que nous avons prié ensemble avec les diacres anciens. J'aimerais qu'ensemble, toi aussi, tu puisses bénir cette huile. Lève ta main droite. Prière, excusez une minute. Je voulais aussi vous présenter deux personnes de l'arrière-saison. J'invite diaconesse ainsi. Je vais bien créer dans l'église. J'invite la diaconesse Sylvie. J'invite le diacre José. Voilà. Pour peut-être ceux-là qui sont nouveaux, qui sont déjà été consacrés diacre. Pendant qu'il rentre, nous acclamons pour les Seigneurs. Alors, levez votre main droite, bénissez cette huile, que cette huile devienne sainte au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Ah oui, Seigneur, nous croyons par la foi que tu as sanctifié cette huile, car nous allons oindre tes serviteurs. Oh Dieu, que le ciel reste constamment ouvert et qu'une nouvelle dispensation commence, qu'une nouvelle ère commence, ô Dieu, que les nouvelles choses commencent. Merci Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, vous agenouillez. Agenouillez-vous. La musique. Je vais d'abord oindre les anciens. Seigneur,
soir avec toi. Je témoigne, Gérard, comme ancien de l'Église, sers le Seigneur. Je témoigne, Élisée, comme ancien de l'Église, sers le Seigneur. Je témoigne, Léon, Jean-Léon, comme serviteur de Dieu, dans cette Église. Alex, comme ancien de l'Église, sers le Seigneur. Je témoigne, Pedro, comme berger, sers le Seigneur. Je m'adresse ici aux épouses des anciens. Le ministère est en couple. Vous êtes là pour soutenir, fortifier votre homme, votre chéri. Soutiens-le. Qu'il vente, qu'il neige. Sois une aide à côté de ton mari. Et vous verrez que le ciel va s'ouvrir pour vous. Il va essuyer vos larmes. Vous allez oublier les mauvaises choses passées. C'est pourquoi maintenant, je vous oins aussi, femme d'ancien, pour servir le Seigneur. Serre le Seigneur comme femme d'un serviteur. Serre le Seigneur comme femme d'un serviteur. Serre le Seigneur comme femme d'un serviteur. Serre le Seigneur comme femme serviteur. Serre le Seigneur comme femme d'un serviteur. Serre le Seigneur comme femme d'un serviteur. Serre le Seigneur comme femme d'un serviteur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Église, lève ta main droite, invoque les dieux du ciel pendant que je pose mes mains. Je te pose mes mains comme serviteur de Dieu, comme servante. Je pose mes mains comme servante, je pose les mains comme serviteur. Je pose les mains comme servante, je pose les mains comme serviteur. Je pose les mains comme servante, je pose les mains comme serviteur. Je pose mes mains comme servant. Je t'impose les mains comme serviteur. Je t'impose les mains comme serviteur. Je t'impose les mains comme servant. Je t'impose les mains comme serviteur. Je t'impose les mains comme servant. Je t'impose les mains comme serviteur. Je t'impose les mains comme servant. Je t'impose les mains comme serviteur. Au nom de Jésus. Levez vos mains au-dessus de vos têtes. Seigneur notre Dieu, en ce jour, je consacre ces amis pour ton œuvre. Donne-leur le courage. Fortifie leur foi. Purifie-les, sanctifie-les davantage. Combat pour eux. Quiconque les combattra, combat-les au nom de Jésus. Quiconque les maudira, maudis-les au nom de Jésus. Quiconque les haïra, haïs-les au nom de Jésus. Quiconque les bénira,
Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Alors, je t'élève, lève ta femme. 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 Je te consacre comme diaconesse dans la maison de Dieu. Je te consacre comme diacre dans la maison de Dieu. Je te consacre comme diaconesse dans la maison de Dieu. Donnez les papiers. Je te consacre comme diaconesse dans la maison de Dieu. Je te consacre, diacre, dans la maison de Dieu. Je te consacre, diacre, dans la maison de Dieu. Je te consacre comme diacre dans la maison de Dieu. Je te consacre, diacre, dans la maison de Dieu. Je te consacre, diaconesse, dans la maison de Dieu. Je te consacre, diacre, dans la maison de Dieu. Je m'adresse ici aux hommes, dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai, c'est votre épouse. Mais dans la maison de Dieu, chacun a son travail. C'est ainsi donc que je demande de respecter vos épouses, femmes de Dieu. C'est pourquoi vous devez les assister. Assiste ton épouse qui est diaconesse. Assiste ton mari qui est diacre. Assiste ton épouse qui est diaconesse. Assiste ta femme, assiste ton mari qui est diacre. Assiste ton mari qui est diacre. Assiste ton mari
qui est diacre. Assiste ton mari qui est diacre. Assiste ton épouse. Assiste ton mari qui est diacre. Au nom de Jésus. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Je pose mes mains comme servant, comme serviteur. Je pose mes mains comme servant, comme serviteur. Je pose mes mains comme servante, toi comme serviteur. Je te pose les mains comme servante, toi comme serviteur. Je te pose la main comme servante, je te pose les mains comme serviteur. Je te pose les mains comme servante, je te pose les mains comme serviteur. Je te pose les mains comme servante, je te pose les mains comme serviteur. Je te pose les mains comme servante, je te pose les mains comme serviteur. Je te pose les mains comme servante, je te pose les mains comme serviteur. Je te pose comme servante et je te pose comme serviteur au nom de Jésus. Lève ta main. Seigneur éternel, en ce jour, j'ai consacré diacre et diaconesse dans ta maison, pour que ton œuvre aille de l'avant, pour la gloire de ton Saint-Nom. Soutiens-les, fortifie-les, donne l'obéissance et la fidélité, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quel est, quel est. Na pate, na zambe,
service, il y a une particularité. Lui, il a un habit de plus ici. Tu vois, il est seul. Il habite chez lui. C'est où? Chez lui. Mais c'est hors Congo. Il est missionnaire. Il est un missionnaire. Il est missionnaire. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie. Alors nous demandons aux invités, on va vous saluer, mais d'abord on demande aux invités si vous avez apporté un cadeau pour votre frère, votre ami. Voici le moment. Donnez-nous un court cantique. Est-ce qu'il y en a qui ont apporté le cadeau pour quelqu'un? Moyato. Mbiri. Dombaya. Rububaya, Poupaï Mancho, vous voulez bien vous donner 100 dollars. Oui, donnez si vous. C'est là qui a apporté les cadeaux pour amis ou frères. Allez-y, donnez un cantique là. Ben et quoi. Cadeau. On paie ça cadeau. Bon, on peut en profiter. On présente aussi les offrandes dans les paniers à droite ici. Protocole, aidez-nous. Ne laissez pas les gens cesser. Espacez les gens. Bendembi Omiji Ginagawa. C'est un cadeau. Je vous n'avais pas dit à ta makuta. Aku mama Yahweh. Yahweh. Elombe. Yahweh. Aku mama na yoe. Aku mama. Na lola. Aku mama. Aku mama, Yesu aku mama ye, na bomoi nanga. Aku mama, Yesu aku mama ye, na bomoi nanga. Aku mama Yahweh, elombe. Yahweh, aku mama nanuka kayese, mokonzi nanga ye. Yahweh, aku mama. Yeba bolingo na ngana Yesu we bolingo ya sukate o bolingo 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 ngana papa na nga bolingo ya sukate o bolingo ngana Yesu we Yesu va beta kie bonanga Ba sofi kaye bonanga ya ya Ba sofi kaye bonanga ya ya Ba fingi ye bonanga ya ya Ba zoche la ye bonanga ya ya Boligo ya gana Yesu we boligo ya sukate o Boligo ya gana Yesu we boligo ya sukate o Boligo ya gana Yesu we boligo ya sukate o Yesu babo mbiye konga Babeti esete bona ngaye Baso kweke la yeso ipona nga Baso finga ye pona nga ye Baso chonga ye pona nga Sepe la
Sabela, 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 Sabela,